premier mot que vous entendez ici, c'est bonne arrivée. Alors, bonne arrivée au Bénin. Faune béninoise à livre ouvert, enfin quelques pages seulement, autour de cette mare avec au milieu déjà un vieux mâle solitaire, un vieil éléphant qui est en train de se complaire. Il faut dire que l'heure est tardive et qu'il fait bien chaud. Et lui, ma foi, il prend un peu le frais. Et tout autour, vous avez des copes de buffons, vous avez là-bas qui courent et qui viennent de s'écarter de la mare, des antilopes cheval, des babouins, singes rouges, patasses, l'autre nom du singe rouge. Et puis on les voit pas très bien, mais on les distingue quand même. Il y a une multitude de crocodiles. Ils ont l'air petits, mais menaçants quand même. Ce n'est pas pour rien si le parc national de la Pendjari, 275 000 hectares, a été classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est quand même l'un des plus beaux, l'un des plus riches sanctuaires de tout l'ouest du continent africain. D'un côté, le calme, la sérénité, une nature que l'on s'efforce de préserver. Et de l'autre, la simplicité, la spontanéité et des éclats de rire. C'est ça, le Bénin que nous allons traverser et découvrir ensemble. Le Bénin, c'est un petit pays. 700 km de long, jamais plus de 300 km de large, à peine le quart de la France. Du nord, de la brousse, où se cachent encore des troupeaux sauvages, nous traverserons des collines, des villages traditionnels aux silhouettes incroyables pour gagner la côte par la route et rejoindre Cotonou, la capitale économique du pays. Silhouette emblématique du nord du Bénin, de cette région des montagnes de l'Atacora, ces maisons, ou peut-être des forteresses, ou tout simplement des greniers pour les récoltes. Tata, c'est le nom de ces bâtiments en terre avec leurs tourelles singulières et qui avaient tendance à disparaître, à tomber en ruine. Architecture traditionnelle qu'une association locale s'est mise en tête de sauvegarder. Ce sont les jeunes qui, dans ces villages, veulent réhabiliter ces témoignages du passé et ils sont motivés et ça marche. Parfait. Oui. C'est un bâtiment traditionnel, ce tata, mais en même temps, il est tout neuf. Oui, et il est tout neuf parce qu'il y a une association qui est née là, dont moi je suis le président de cette association. Et donc, l'association avait pour objectif de valoriser notre culture, plus précisément le tata au Tamari. Mais pourquoi est-ce qu'on reconstruit des tatas aujourd'hui? Parce qu'il y a d'autres bâtiments plus neufs, avec des toits, des maisons peut-être plus grandes. Ça ne convient plus? Le tata, c'est vraiment adapté à la vie quotidienne dans les villages maintenant? Oui, vous avez appelé qu'il y a des cases tout neufs, avec des toits en tôle. Mais ça, moi, j'appelle ça de la chaudière. Puisque dans un truc comme ça, il fait frais, tu es à l'aise. Et on peut faire toutes les cérémonies dans le tata. On a tout dans le tata. Hein, nous appelons ça même des fois, c'est notre château fort, puisque on a les greniers qui comportent les grains, on a les chambres sur lesquelles on peut dormir, on a en même temps l'endroit en bas là, où le bétail peut rester, et nous avons aussi les fétiches
que nous appelons que les fétiches de nos ancêtres, que nous adorons. C'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous donne la valeur à notre vie. Et à 31 ans, on n'a pas envie d'autre chose que de s'occuper des tatas, des bâtiments, de l'architecture traditionnelle. On n'a pas envie d'aller danser, écouter de la musique, boire des verres avec les copains. Oui, à 31 ans, on a envie de faire tout ça là. Mais quand tu fais ça là, après, tu te poses la question, je viens d'où et j'appartiens à quelle ethnie? Quand tu vas faire les danses, par exemple, dans des villes, et que tu reviens, tu n'as pas une maison, tu n'as pas une culture, qu'est-ce que tu diras? Donc, c'est mieux de faire d'abord ta maison avant d'aller s'occuper du reste. Avoir une maison, c'est l'essentiel. Avoir un tata, c'est primordial dans notre culture.